Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo peinture. Alors ça va être un Panzer 6 Tigre 1. Donc il y a eu plusieurs modèles de ce char pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là c'est en l'occurrence ce sont des modèles améliorés, ce ne sont pas les tout premiers. Donc c'est un 24 roues. Donc cette vidéo elle va consister à vous expliquer étape par étape comment je procède pour peindre mes chars en général. Donc sur ce modèle là, comme vous pouvez le voir sur la photo, on verra le décor par la suite, mais ça risque d'être sûrement sur un diorama enneigé ou un peu de la neige fondue, donc on va rester assez simple. Dans un premier temps je vais démonter ma tourelle. Voilà. Ensuite nous allons enlever toutes les roues. Comme ça, nous allons pouvoir les peindre une par une et peindre le châssis du tank. Nous allons commencer à peindre et je vais commencer par les chenilles. Alors pour commencer, on va recouvrir toute la maquette avec une couche d'impression. On ne dilue pas la peinture. J'utilise du Surface Primer de chez Vallejo. Nous allons passer maintenant à l'étape 2 qui consiste à faire un premier éclairci avant de passer notre couleur de base. Donc cette première éclaircie va nous permettre de faire un relief au niveau des zones les plus exploitées au soleil. Garde-boue, le dessus, les trappes et légèrement l'intérieur des roues. Pour cela, je vais utiliser un blanc très très vif.
Voilà la maquette terminée avec la peinture de primer. Donc on a fait les éclaircies. Maintenant on va passer à notre couleur de base. Donc notre couleur de base, c'est assez délicat car il va falloir passer sur l'intégralité de la maquette sans prononcer la peinture sur les parties éclaircies. Donc pour cela, j'utilise de XF60 de chez Tamiya, Dark Yellow. Cette peinture-là, je vais la diluer légèrement avec du Airbrush Thinner, donc un diluant de chez Vallejo. Alors voilà, je vais commencer à appliquer ma peinture de base autour du blanc. Donc on va bien recouvrir. Et on recouvre le blanc, mais très léger. On n'insiste pas, on ne tire pas trop sur la gâchette, parce que sinon on risque de recouvrir tout notre effet de primer blanc. Donc ce qui nous permet d'avoir un relief. Si on le couvre trop, bah on aura fait tout ça pour rien. Donc on couvre légèrement et on continue comme ça sur l'intégralité de la maquette. Avant de positionner les chenilles, je vais appliquer du watch enamel de chez AK Interactive dessus. Donc c'est un watch qui a un effet un peu marron terre foncé, mais du moins ça évite que les chenilles restent en noir vif comme ça. Et ensuite on appliquera, je pense, un petit brossage en acier pour faire ressortir les maillons usés. Voilà le résultat après un petit brossage en acier sur les maillons et une fois les roues installées. Nous allons procéder à la peinture du canon. Je vais peindre cette partie en noir. Je vais maintenant donner une touche de couleur avec de l'acier graissé de chez Prince Auguste, très très dilué avec de l'eau, sur les câblages du char. Ça va donner une petite touche de couleur. Voici le rendu. Maintenant, je vais pouvoir placer et coller mon arme sur la tourelle
Alors pour cela, j'utilise du Tamiya ciment. C'est un peu plus épais, mais au moins ça coulera pas partout. Donc je le prends, j'essore un peu le pinceau. Je vais placer une goutte au niveau de la position, comme ceci, et je viens la placer dessus. Voilà, j'y touche plus. Et voilà. Voilà le résultat. Maintenant, nous allons passer à la finition. Je vais vernir toute la maquette avec un vernis brillant de chez Vallejo. Ce vernis brillant polyuréthane, ce qui va permettre de protéger toute la maquette et ensuite de pouvoir positionner les décalcomanies dessus. C'est beaucoup plus pratique. Alors moi, je procède comme ça, il y a différentes techniques, mais cette technique me permet de bien faire glisser mes décalcomanies. Et par la suite, si on veut approfondir la maquette, pour ceux qui le désirent, mais ça on verra sur d'autres tutos, ça permettra de faire glisser plus facilement les lavis, les jus, etc., etc. Maintenant, nous allons poser les décalcomanies. Voilà la maquette terminée, donc on a un rendu plutôt positif. On va dire que la situation du char sorti d'usine, hein. Donc après on verra par la suite sur d'autres vidéos, tutoriels pour les vieillissements, les conditions météo. Donc voilà, là on va dire on peut encore travailler le char, mais c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Pour moi, le but, c'est de vous montrer voilà, un char peint basiquement, mais qui reste quand même assez propre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, lâchez un petit like, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut les amis!